N'est-ce pas? Dans le livre des apôtres, chapitre 1, quand les apôtres lui ont posé la question, est-ce en ces temps-ci? Il cherchait à trouver le temps pour voir, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils savent que c'est lui qui est censé rétablir le royaume d'Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé sa propre autorité. Le temps ne nous est pas donné de connaître. Mais les événements tout autour nous donnent pour indication afin que nous sachions ce qui allait arriver. Alors le réveil arrive. Le réveil arrive. Vous voyez cela? Le réveil arrive. Vous voyez ces gens ceux qui marchent en plein rue comme ça, allant dans le travail. Au travail, subitement, ils n'arrivent pas au travail. Ils déposent les lunettes pour se prosterner devant le Seigneur. Ça, je parle du Cameroun. Le réveil arrive. C'est devant nous. Ça va arriver. Et donc maintenant, si vous êtes n'importe où, vous pouvez revenir plus tard à ce moment-ci. Ce moment-ci, c'est un moment glorieux pour l'Église. C'est sur la terre, ce sera des... Vous savez, il n'y a pas ce style de manifestation encore sur la terre, ce qui arrive. Amen. Il dit bien au Cameroun. Vous entendez ce tonnerre qui parle. Il y a des zones de turbulence qu'on doit passer. D'abord, il y a d'abord des zones de turbulence. Je vous ai dit, lorsque je parlais du message pour le Cameroun, j'ai dit, après cela, donc nous avons fini de jeûner. Après ça, il faut qu'on se concentre sur l'Église en préparation à ce qui arrive. Lorsque la saison pluvieuse veut venir, la terre est dure, ceux qui viennent au champ en premier lieu, vous savez ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, en anglais, ils savent appeler ça till the soil, to till, vous remuez le soil, vous remuez le sol, to till the soil, vous préparez le sol, on renverse des sangs dessous. Vous n'avez pas été au champ ici, vous là, vous ne faites pas le champ. Vous n'avez pas été faire le champ. On arrête là-haut, la partie qui était ici, là, vous faites comme ça, vous renversez la terre là-dessus. C'est labouré, voilà, labouré. Quand on fait cela, vous laissez la terre comme ça, pourquoi? Vous voyez? Et là, maintenant, par la suite, quand vous allez voir, quand il pleut là-dessus, maintenant, la terre reçoit de l'oxygène. C'est le travail que nous devons faire. Parce que souvenez-vous de ceci, le cœur est à tout type la terre. Et on parle que pour que ça entre là, dans là, il faut que la qualité du cœur soit bonne. Dit le Saint-Esprit dans les Écritures. Donc, c'est ce travail que nous allons faire de façon profonde, d'accord? Alors, donc, Dieu travaille avec un temps. Donc, ces éléments qui sont tout autour du Cameroun, c'est pour annoncer le réveil. C'est donc pour cela que les corps démoniaques dans les lieux célestes. Et chaque fois, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que Satan, depuis l'éternité, quand il fait ces choses, il échoue toujours. C'est-à-dire que sa seule mission qu'il doit toujours réussir, c'est qu'il échoue. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est champion dans sa réussite des missions. Et quelle est sa réussite? C'est qu'il échoue toujours. Il échoue toujours. Il n'a jamais bloqué un plan de Dieu. Il ne bloquera jamais. Maintenant, voici ce qui se passe. Il s'en est dit. Ah, Seigneur, permets-nous d'être. C'est comme au Sénégal, là, le réveil qui va aussi avoir. Seigneur, permets-nous d'être des. Que nous n'ayons pas ces choses. Parce qu'avant cela, j'ai vu des morts. Des morts. Vous savez, des morts. Les gens qui sont tués par ci, les gens qui sont tués par là. Et il y a un prêtre particulièrement. Je ne sais pas si c'est un prêtre. Quels sont les titres? Ils sont. Bon, vous savez, quand c'est compliqué, vous pouvez voir seulement. C'est seulement l'attroupement qui vous donne ce qu'il sait, d'accord? C'est seulement l'attroupement, quand les personnes s'habillent avec le gandoura, avec la croix ici. Et puis vous le voyez mort, porté sur un brancard. Et puis j'étais en train de dire, c'est quoi cette histoire-ci? Nous passerons par des zones de tribulation. Donc préparez-vous seulement, préparez-vous dans la repentance, dans la repentance. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait le jeûne pour le Cameroun, laissons les autres continuer. Il y a des autres personnes qui sont les intéressés appelés par le Seigneur qui doivent continuer cette œuvre aussi. D'accord? Jusqu'à ce que ça soit bien préparé là-bas en haut. Alors donc, devant nous, je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qu'est-ce qui arrive, c'est comment ça se passe. J'avais dit qu'il ne doit plus parler de ces choses, c'est pour ça que je me suis tué depuis. J'avais dit qu'il ne doit plus parler. Je vais donc revenir sur certaines choses, sur certaines visions maintenant, en expliquant maintenant, en ouvrant un peu seulement, avant d'avancer. Parce que j'ai deux visions à expliquer, parce que je sais que beaucoup de personnes écoutent, ils ne peuvent pas penser ce qu'ils ne peuvent pas penser, ou bien disent que, parce que quand c'est codé...